J'ai rencontré Clément Pansard une seule fois dans ma vie. C'était au Diable au Corps, ce cabaret d'étudiants, de peintres, de rapins, qui se trouvait donc rue aux Choux. Pansard était debout, il parlait, et nous sommes arrêtés immédiatement sur le seuil, en somme fascinés. Il était grand, très maigre, on avait l'impression d'une sorte de faucheur, un échalas, mais possédé d'un feu intérieur intense. Si mes souvenirs sont bons, il parlait de politique mêlée à une révolution de la poésie.